Moi, je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. Que celui qui a inventé ce paysage le boive jusqu'à la dernière goutte. Non, on n'est pas sur terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, une forêt, un escalier ou un train, non. Les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime nous dit enfin qu'il nous aime. Ou pour le prisonnier, qui se retrouve enfin à l'air libre. Je dirais même plus, on n'est pas sur terre pour mourir. Ah non, on serait arrivé ici juste pour mourir. On nous aurait jeté comme une vulgaire poignée de sel pour nous voir fondre entre les yeux de bouillon. Non, on est ici pour vivre. Oui, pour vivre, avec du ciel partout. Du ciel sous les bras et dans les draps. Du ciel qu'on pourrait presque toucher et qu'on verrait palpiter. Sur les trottoirs, et puis dans le métro, et même dans son bol de café, et même dans l'eau où on lave son bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition. Au long cours. Et bien plus intéressant que de sauter sur la lune et que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur Terre, on a des boulangers, des musiques de Beethoven, des t-shirts où on tient chaud entre ses deux seins le chanteur qu'on aime, et des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs qui ne rouillent pas, qui nous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que... c'est un vrai miracle d'être en vie. Pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles. Que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde. Ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper. Il n'a pas su rattraper le coup. Et de tous les scandales, il sait bien que la mort est le plus dégueulasse des scandales. Le plus bordélique. Ça lui fait honte. Moi, quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Qu'est-ce que tu fais là? On te cherche partout. Qu'est-ce que tu me veux? Les résultats sont pas bons. Tu rentres à l'hôpital? Ouais. Quand? Le plus tôt possible.